Envie de changer votre parcours professionnel? Envie de faire un saut dans l'entrepreneuriat? Vous êtes un chef de projet ou vous vous préparez à le devenir? Medine FM diffuse la deuxième édition des Flash Motivation chaque jour, du lundi au vendredi à 18h, présenté et préparé par Houda Nazraoui. 100% jeune, 100% défi, avec Medine FM, gardons le moral et la motivation. Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Motivation. Création d'emplois, augmentation de la compétitivité, opportunités, création de richesses, autant d'avantages pour encourager les jeunes à faire un saut dans l'entrepreneuriat. Voilà la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui nous donne un rendez-vous chaque année dans plusieurs pays à travers le monde. Un rendez-vous pour inciter le plus grand nombre des jeunes à exploiter leur esprit d'initiative et d'innovation, locale, nationale et internationale. Alors suivez-nous avec un modèle d'une deuxième édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisée par l'école Hassania, Club Hassania Junior Entreprise, qui s'engage cette année sous le thème « Ensemble pour une relance inclusive ». Notre Club Hassania Junior Entreprise est une association opère dans le modèle d'un cabinet d'études et de conseils où nous réalisons des projets suivant plusieurs domaines de compétences. Je cite le domaine technique, le marketing, la stratégie d'entreprise, l'infographie, l'événement et la communication. Notre tâche ne s'arrête pas juste à réaliser des missions et opérer dans nos conseils, mais aussi dans notre mission consiste à impliquer les jeunes dans notre mouvement qui compte plus d'une vingtaine de juniors au Maroc. Ensemble pour une relance inclusive, le choix du thème de cette année vient après le discours royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI ayant lieu le 9 août 2020, suite à la crise sanitaire et mentionnant la relance des petites entreprises face à la crise sanitaire. Quatre panels seront organisés. Le premier consiste les démarches pour une politique globale et inclusive visant le développement des auto-entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, que ce soit des actions urgentes et mesures à adopter. Le second panel pour ainsi discuter les défis et risques qui effraient les jeunes à prendre cette voie de l'entrepreneuriat et créer leur propre start-up. Le troisième panel abordera quant à lui le secteur informel vers une intégration au secteur formel. Et finalement, le quatrième, il parlera de la métamorphose du marché du travail et résilience des entreprises. Cette deuxième édition incite toutes les composantes socio-économiques à une réflexion et une collaboration afin de transformer la crise actuelle en une opportunité de développement de notre pays. Enfin, l'entrepreneuriat permet particulièrement aux jeunes d'acquérir la capacité de se mettre en projet dans une dynamique de vie. Il est question de la confiance en soi, la persévérance, la créativité, l'esprit d'équipe et l'initiative. Alors bonne chance et ensemble à transformer la crise actuelle en une opportunité dans l'avenir. Envie de changer votre parcours professionnel? Envie de faire un saut dans l'entrepreneuriat? Vous êtes un chef de projet ou vous vous préparez à le devenir? Medine FM diffuse la deuxième édition des Flash Motivation chaque jour, du lundi au vendredi à 18h, présenté et préparé par Houda Nazraoui. 100% jeune, 100% défi, avec Medine FM, gardons le moral et la motivation.